Merci beaucoup, mon brave. Votre bain était excellent. Par contre, l'eau était vachement bouillante, hein. Je me demande ce que vous avez mis dedans. Tenez, 10 pièces d'or, mon brave. Merci, mon bon seigneur. Pour ce que vous me demandez, l'eau là, en fait, c'est pas de l'eau. Ah, c'était quoi alors? C'est ma pisse, monsieur. Non, c'est possible. Bonne journée, monseigneur. Merci pour les 10 pièces d'or. Enfoiré, fils de... c'est pas possible. J'ai perdu 20 points de charisme. Attention, la décharge arrive. Faites place. La décharge? Qu'est-ce que c'est? La décharge, c'est une charrette qui apporte tous les aventuriers qui se sont perdus en terre de Fang. Là, par exemple, ils vont nous apporter un colis. Généralement, c'est des personnes qui sont loin de chez eux et qui ne pensent à qu'une seule chose, c'est de retourner dans leur monde. Bon, allez, écartez-vous, moi j'ai un truc à faire. Retourner dans leur monde? Je pense que j'ai trouvé ma compagnie, moi. Attention, je décharge! Et ils sont 6 en plus! Oh, reviens ici! Je vais tailler les autres, tu vas voir, ça va te faire mal! Excusez-moi, je vous souhaite la bienvenue dans le village de Valtordiche. Ouais, je le sais, j'habite ici, en Terre de Fox, c'est super génial! J'ai été pris par la décharge! Waouh, je vais recommencer! Qu'est-ce que nous veut la femmelette là? Non, s'il vous plaît, ne commencez pas. Je suis pas une femme, je suis un homme. Je suis un elfe sylvain et je viens de la Terre du Milieu. J'ai une proposition à vous faire pour que vous retourniez chez vous. À peine arrivé dans un village, il me demande déjà des trucs à faire. Oh là là, ce pays est vraiment dingue, je vous le jure. Une proposition pour retourner chez nous? Ouais, de toute façon, je veux pas rester ici. Quelle est ta proposition? C'est très simple, il suffit d'aller chercher le coffret d'un MJ. Il m'a demandé ça et en récompense, on pourra lui demander ce qu'on veut. Et donc, si on fait ça et qu'on réussit, vous pouvez lui demander de retourner chez vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis avec toi, étranger. Je n'ai pas envie de rester dans ce monde pourri. Plus vite on aura commencé cette quête, plus vite je serai rentré chez moi. Mais c'est génial! Je me nomme Oberon. Je suis un barbare venu de Tamriel, terre des Nordiques. Et oui, je suis un Nordique aussi. Je porte un espadon sur moi. Tu risques d'avoir besoin de moi. Et je risque d'avoir besoin de toi. Bon, puisque la madame aux cheveux blonds vous a trouvé une solution, je viens venir avec vous aussi, puisque j'ai rien d'autre à faire. Je m'appelle Ulfric Clairbrage, héritier d'un homme puissant de Tamriel, dans Bord de Ciel exactement, Ulfric Sombrage. Et je porte ici une épée de fer qui peut être très utile. Je suis un noble, mon éloquence est élevée. Dis-moi ce que tu voudras, je le dirai à quelqu'un d'autre qui nous donnera ce que l'on veut. Salut à toi, le flic clairvage. Moi j'ai pas envie de rester tout seul, je vais donc venir avec vous. Je m'appelle Daerkil, je suis un elfe noir assassin. Je viens du monde de Warhammer, dit le vieux monde. Donc je dois vous préciser que je porte plusieurs dagues. Et aussi je dois vous préciser que j'ai une peur affreuse du sang. Très bien Daerkil, on s'en souviendra. Attends. T'as dit que t'as peur du sang? T'es assassin? Tu sais ce que ça veut dire, assassin, au moins? Oui, assassin, c'est celui qu'on envoie avec le bouclier et la lame sur les champs de bataille. Vous savez, celui qui fonce sur l'ennemi. Mais pas du tout, ça c'est un fantassin. Mais non, les fantassins, c'est ce qu'on met sur les chaises quand on a mal aux fesses. Non, ça c'est un coussin. Mais non, les coussins, c'est ce qu'il y a dans la mer, qui sont noirs avec plein de piquants. Un oursin. Non, les oursins, c'est ce qu'il y a... c'est les petits... vous savez, les petits de l'ours. Les oursins, c'est les petits de l'ours. Non, c'est des oursons. Mais non, les oursons, c'est les gros gars qui sont idiots. Non, ça, c'est des gros cons. Laisse tomber, s'il te plaît, d'accord. Je t'accepte, c'est bon. Hein? Merci. J'espère que c'est une blague, là. On va pas prendre un idiot dans notre compagnie, quand même. C'est ma compagnie. Je prends qui je veux, d'accord. Bon, et toi, petit, c'est quoi ton nom? Le petit va te foutre un coup de tête entre les deux jambes, tu vas rien comprendre. Pardon si je t'ai blessé. Pas grave, j'ai l'habitude. Je suis Alric le Nain, venu de World of Warcraft, dit Azeroth. Je suis un chasseur. Mon arquebuse et mes haches sont à ton service, excuse-moi. Mais je suis pas trop habitué à ce climat chaud, je suis plus habitué à un climat froid, donc je bégaye un peu.
C'est vrai que t'es un peu bleu. Normal, j'ai chaud. Bon, eh bien je... Waouh, une femme, une orque en plus. Venez Tabriel, je parie. Ouais, en Tabriel, les femmes orques ont... sont vachement bien formées. Et quel nom se cache derrière ce corps formidable? Au sac chatte d'acier. Un nom unique. Et quel métier se cache derrière ce nom? Prostituée. Tu t'approches de mes deux bourses, je te casse la gueule, ok? Ah, dommage. Je sens que toi, tu aurais été très très loin. Comment ça? Si, tu sais, avec ta... Cookies, parking, Coca-Cola, taxi, hamburger, week-end. Ne me dis plus jamais ça, pigé! Et celle-là, on va la prendre aussi. J'aurais aimé te dire non, mais... C'est une prostituée, elle pourrait... faire jouir les ennemis quand on les attaque. Bon... Je te prends, bienvenue dans l'équipe pour ça, c'est Dos. Oh, allez, change de nom, s'il te plaît. Bon, et toi, t'es qui? Ouais, je m'appelle Boris, Boris Bereditikus. Salut, je viens de la Terre de Fang, je suis un humain. Ah, faut vraiment que tu me prennes, hein, parce que je suis Super of the Dead. Ouais, Super of the Dead, c'est un de mes anciens... Oncle, papa, de ma famille, ils disent tout ça. Ouais, j'ai mon papa qui vient d'un monde, Horizon 2.0, comme il dit, et il adore dire Mega of the Dead. Ouais, il s'appelle Sparadra, et c'est un prêtre de niveau 4. Ouais, moi je suis niveau 1, j'espère que je vais pouvoir revenir à son niveau, hein. Mais c'est super bien. Alors, en classe, je sais pas trop ce que je suis, je fais un peu de tout, je suis guérisseur, guerrier, barbare, je peux parler aux poissons aussi. Faut super Mega of the Dead que tu me prennes, Super of the Dead, super, ouais, super... Ça va, calme-toi, je te prends, voilà, content. Non, me dis pas que tu le prends lui aussi. Eh, je suis désolé, mais une compagnie a besoin d'un guérisseur. Bon, bah, voilà, donc je te prends, Boris Bé... Je vais t'appeler bébé, hein, d'accord? Bébé, Boris Bérédétique. Bon, bisous. Ah. Bon, bah, moi, c'est fort, hein. Je l'ai déjà dit, mais bon, je vous le redis, comme ça, c'est bien enregistré. Et je suis un homme. Point sur les i, s'il vous plaît. J'ai enfin formé une compagnie. Eh, hein. Sauf qu'une compagnie, ça doit avoir un nom, non? Qu'est-ce qu'on se prend comme nom? Je sais pas, c'est toi le chef de cette guilde apparemment. Tu pourrais t'en choisir un tout seul. Mais dis-moi, ce MJ qui a pas eu son coffret, comment il a fait pour le perdre? Faudrait que tu nous expliques un peu, parce qu'on va pas tout savoir, nous. Ce sont des gobelins qui ont pris le coffret du MJ. Mais hélas, je ne sais pas où ils sont. Eh, mais moi je sais où ils sont. Enfin, bah, tout à fait. Mais je connais quelqu'un qui peut nous aider. Ouais, il habite à Glarg. Glarg, la plus grande ville de Terre de Fang. Suffit de traverser la forêt de Schlipak. Et quand on a traversé la forêt de Schlipak, on arrive à Glarg. C'est génial, non, les copains? C'est Mega of the Dead. Là-bas, je sais qui connaît les gobelins. Il pourra nous dire où ils se trouvent. Comme ça, on pourra prendre le coffret du MJ et le rendre. Et si j'ai bien compris, on pourra retourner dans notre monde. Sauf que moi, mon monde, je sais pas trop ce que c'est. Alors? Glarg? Si j'ai bien compris, les pécores d'ici, ce sont... C'est leur... Enfin, Glarg, c'est la capitale de la Terre de Fang, non? C'est Exact of the Dead. Eh bien, mes amis... Nous irons à Glarg. Et nous traverserons cette forêt de Schlipak, comme tu as dit. Nous irons à Glarg. Nous trouverons ce gars qui doit nous donner une information. Nous irons vers ces gobelins. Nous les détruirons. Et nous reprendrons le coffret. Vous êtes d'accord? S'il y a du gobelin, je suis à fond avec toi, Selfor. Mes haches s'en tiennent. Mon espadon est tien. Ainsi que mon épée d'acier, Selfor. Idem. Mes talents de séductrice sont avec toi, Selfor. Et ce sera Off the Dead pour moi! Très bien. Alors, dans ce cas, je vais vous dire le nom de notre compagnie que je viens de penser. Un nom simple, qui me résume assez bien d'ailleurs. Mais aussi vous. Un nom de compagnie fait pour l'aventure. Un nom qui nous fera rentrer dans l'histoire. Un nom unique. J'ai choisi.
attention quand je préviens vos ceintures. Un nom mythique. Même Smoke le Terrible, à côté, ça c'est les chips. L'association du clan Pain à l'arc de la terre de Fang. Mais c'est fort. C'est méga Call of the Dead. C'est un nom qui est super. Même la guilde Noob à côté, c'est rien. C'est méga Call of the Dead. Oui, je sais, je sais. Merci. Et maintenant, on fait quoi exactement? Maintenant, on chevauche! Hey! C'est fort! C'est fort! J'ai un truc! C'est fort! Hey! Arrête! C'est fort! Hein? Excusez-moi, j'étais parti dans mon truc. Oui, y'a quoi, bébé? Y'a pas de chevaux à Val Tordu, et les chevaux en terre de fond coûtent méga cher of the dead. Alors va falloir se taper la marche à pied jusqu'à la forêt de Chilipac. Désolé mon pote, méga of the dead hein. Ah, d'accord. Bon bah, dans ce cas, on marche hein. À la vente. Ah, ah. Oh, oh nom de dieu le con. J'ai cru que ce serait une bouse, putain vite, je me suis tordu la cheville, putain viens de m'aider, merde. Oh nom de dieu. Oh. Ouais bah elle commence bien cette aventure. C'est le fort. Sorti d'une maison de pécor, après s'être nettoyé le corps, rencontrer de bonnes gens qui demandent simplement de rentrer chez eux, c'est le fort est heureux. Il a enfin sa compagnie, le cauchemar est fini, il a trouvé. Il a trouvé à la vente, compagnon. Messieurs, mesdames, si vous voulez connaître la suite de cette horreur, venez écouter l'épisode suivant des chroniques de Selfort.